Vidéo, je dis c'est comment vous pouvez créer un compte PayPal personnel, professionnel, pour recevoir l'argent, pour voir l'argent partout dans les mondes. Dans tous les mondes, vous pouvez créer compte PayPal, ça propre. Ok, sans pas arrêter, nous allons sur Chrome avec vous rapidement. Sur Google Chrome, arrivez dans ma description, cliquez à faire www.paypal.com. Après ça, on fait clic. Là, vous pouvez vous faire un page comme ça. Là, on clique. On clique là côté qui dit c'est non. On clique là sur c'est non parce que c'est que vous allez créer. Si vous avez un compte déjà, on clique sur login pour connecter. Mais si c'est que vous allez créer même avec moi, on clique sur c'est non. Ici. Ok, là, on va comme ça. Libre personnel, libre entreprise. Libre personnel, libre entreprise. Si vous descendez en bas là comme ça, on peut cliquer là sur le drapeau ça. Well, vous pouvez cliquer là sur le drapeau ça comme ça, vous pouvez voir tout le pays là, well, vous pouvez changer, vous pouvez créer un compte PayPal ça sur n'importe quel pays là, tout le calde pays là, net, tout le pays là, net. Ça va dépendre, vous pouvez choisir dans quel pays qui est éligible pour créer un compte PayPal ou tout, ok? On a fait back, ok, quand on a fait back, ça a fait. Après, on compte PayPal pour moi, c'est personnel parce que nous avons une entreprise nous-mêmes. On clique sous. On met le sous pour le français. On clique là, on met le français. On clique sur Get et Stop. On clique là. Et puis là, on va cliquer là. Sur ce nouveau ça pour du bon beau. Et puis là, on va demander pour mettre un compte Gmail. On a choisi un compte Gmail pour nous mettre un compte Gmail sur lui. Je vais vérifier compte Gmail là et puis on clique sur suivant. Et puis on va mettre le numéro de téléphone. Et puis on va mettre le numéro de téléphone et on clique sur suivant. Et après on va dire Gogao. Ok, code groupe à notre entrée automatique ou même si vous l'avez automatique, appliquez sur autorisé pour le mode automatique. Ok, là il va demander pour nous créer un mode de passe. Ok, on a créé un mode de passe. On va demander pour créer un mode de passe de 8 à 20 caractères. Pour mettre des symboles là dans tout le bail. Ok, là on fait mettre là, on applique sur suivant. Et puis là, il m'a dit non, prénom, adresse ou numéro de carte tout bas ça. Ok, là, je vais mettre nom, je vais mettre adresse moi 265. Ok, 265. Et puis là, je vais mettre numéro de carte là. 215. Ok, je vais mettre là comme ça et puis je vais descendre plus bas et puis je vais faire accepter et créer une compte. Je vais cliquer sur lui. Et puis là, je vais là, il y a trois étapes là, il y a un qui soit fait si c'est acheter pour acheter en ligne ou bien si c'est soyez payé ou payer en ligne ou direction envoyer compte. Et là, il y a un mandat, premier mandat aussi. Si c'est vous avouez l'argent quelconque, ok, on a cliqué sur envoyer, envoyer de l'argent. Cliquez là, sur envoyer de l'argent. Ok, là, il y a un mandat pour mettre information des 4 crédits. Ok, information des 4 crédits, vous cliquez là, côté qui dit type de des 4, vous cliquez là. Là, il y a 4 visas, il y a 4 masters, il y a 4 America Express. Vous pouvez découvrir tout, ça va dépendre de où. Ok, nous avons un visa nous-mêmes. Un visa, et puis là, il y a un document. Premier, il y a un document le numéro des 4. Ok, nous mettons le numéro 4 nous-mêmes.
là et moi vous mettez là et date d'expiration 4 là. OK, date d'expiration 4 là. Là oui là, il y a un code barre. Un code barre là. Un code barre, code sécurité barre là pour être capable de mettre là. OK, un code sécurité. OK, on a ouvert pour moi là. Code sécurité a gagné d'avril pour moi. Code sécurité ça dans 10 minutes. Dans 10 minutes et. Dans 10 minutes la pispire. Ok. Ok, la première code sécurité, il va cliquer sur 4 de liens. Cliquez sur lui. Par email là tout, confirmer lui, on va aller sur email ou OK, on va cliquer sur le ça et on va ouvrir par email parce qu'il va le lire, il va le confirmer. OK, arrivé là, il m'a dit le duo faire instant. On va cliquer sur continuer là. OK, alors on va OK, on va cliquer sur done. OK. Et puis tout le bail qui est dans le coin là, et puis tout le bail qui est dans le coin normalement là. Ok. Là, au niveau là, on a sur l'échange mode de passe ou, quand mettons en vérification en étape quelconque, quand mettons l'autre clé là, bah, ça. Ok, dans l'autre vidéo encore, on va montrer comment on va configurer l'autre information. Ciao, ciao, bonne vidéo encore.